un débat sur le nucléaire avec l'ancien Premier ministre japonais à Paris ce soir m'empêche de tenir la promesse que j'avais faite d'être avec vous. Je le suis quand même grâce aux nouveaux moyens de communication. Je voulais dire tout mon soutien et tout mon appui à l'opération qui est ainsi montée de se coordonner contre ce très mauvais projet que constitue Europa City. C'est un projet, heureusement, que la juridiction administrative, dans sa première instance, a d'ores et déjà retoqué. Mais très clairement, le temps n'est plus à des projets de ce genre. Le temps n'est plus à utiliser des terres agricoles dont on va avoir le plus grand besoin pour faire des projets qui dureront des dizaines d'années, qui n'auront pas la pérennité de celles de terres agricoles pour nourrir la population. C'est un projet énorme qui ne correspond pas à ce dont nos sociétés contemporaines ont besoin aujourd'hui, qui sont des projets beaucoup moins orientés vers une consommation immédiate, mais beaucoup plus vers du partage, vers du sens, vers un mode d'habitat qui n'a rien à voir avec ce projet Europa City. C'est un très mauvaise idée et je suis heureuse que nous soyons aussi nombreux pour le dire et pour unir nos forces, même si elles restent modestes à l'égard de ceux qui sont derrière ce projet, pour qu'ils ne voient pas le jour. Je pense que tous ensemble, même si les temps sont durs pour le monde de l'environnement, nous le savons tous, nous parviendrons à nos fins et nous ferons en sorte que ces terres restent à la vocation qui doit être la leur, de très bonnes terres agricoles destinées à nourrir le bassin parisien.